Yo les potes, nouvelle boutique du 6 janvier 2020. Je suis désolé pour le retard, mais maintenant comme les cours ont repris, forcément maintenant ça va arriver beaucoup plus tard. Donc vers 18h tous les jours. Donc ceux qui suivent mes boutiques, merci, mais voilà. Alors c'est parti avec le retour de la tenue Mancien, qui a trois styles, en mode sorcier de feu et en mode sorcier de glace. Magnifique. Pareil le sac à dos. J'ai tellement envie de le prendre. Ou la fille. Mais il coûte un peu cher en vrai. Elmira. Oh là là. Ensuite, la pioche, baguette enchantée, qui elle a que deux customs par contre. 800 V-Bucks. Honnêtement, 500 V-Bucks, je l'aurais pris direct. Et le planeur, elle magique, qui a zéro custom. Alors, camouflage à bulles. Pas foufou, ok. Le poiscaille de guerre, qui a trois customs. Un en mode mongol. En vrai, il est pas beau. Ceux qui aiment ce skin, bah, je comprends pas. Enfin, chacun ses goûts. Et ok, on continue avec la tenue Hardy qui fait son retour au prix de 1200 V-Bucks. Voilà, deux customs. Le sac, il est pas mal. Voilà, la tenue, j'aime pas trop. Et hache cogneuse, ok. Et le petit planeur délavé au prix de 300 V-Bucks. On continue avec la tenue Grip Fou au prix de 1500 V-Bucks. Ah, il ressemble trop au Joker. Putain, j'aurais dû me le prendre à la place de Harley Quinn. Ok, ensuite la tenue mitrailleuse au prix de 800 V-Bucks. Le planeur carpellé. Me demandez pas pourquoi je l'ai acheté. En vrai, je le trouve beau. Mais je joue plus du tout les planeurs maintenant. La danse, joie de vivre. Pas mal. Old school. Un petit moment qu'elle était parvenue en vrai. Et la petite emote sur ma chaise au prix de 200 V-Bucks que je me procurais également. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Allez, à plus.